Un vaste champ de ruines, voilà ce qui reste au village de Bouchouchou et Nyamukubi. Ici, les étalages du marché central et tout ce qu'il y avait n'ont pas résisté à la pression des eaux de la rivière Tchitchova. Des maisons devenues des amas de décombres, au-delà des dégâts matériels, s'ajoutent aussi les pertes en vies humaines, près de 411 morts et des centaines de blessés. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui suit de près l'évolution de la situation humanitaire à Calais, a dépêché une forte délégation du gouvernement central pour venir appuyer les efforts déjà déployés par le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, qui, au lendemain du drame, a convoyé un bateau avec des médicaments, des vivres et non-vivres, constituant la première aide d'urgence en faveur des familles éplorées. Ce matin, la délégation gouvernementale a visité les sites les plus touchés pour avoir une idée de l'ampleur des dégâts. Une visite aux hôpitaux de Nyamukubi et Bouchouchou pour réconforter les blessés. Puis, tour à tour, ils se sont adressés à la population. Ils ont transmis les condoléances du chef de l'État. Chaque famille a reçu une enveloppe consistante, une assistance du gouvernement central saluée par le gouverneur Théo Ngwabidje qui a rendu des hommages mérités au chef de l'État pour son sens d'humanisme. Le président de la République fait l'honneur à la province du Sud-Kivu. Il a montré son amour. Et l'amour, ce n'est pas des paroles. Qui débloque le montant important pour venir assister les populations victimes de cette catastrophe. Il est fidèle à sa vision, le peuple d'abord. L'autorité provinciale a lancé un appel à la solidarité internationale et aux hommes de bonne volonté pour faire face à cette crise humanitaire. Les habitants de Calais ont à leur tour remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa générosité et le gouverneur Théo Ngwabidje pour son sens élevé d'humanisme et sa politique de proximité qui place l'homme au centre de toutes ses actions. Avant de regagner Bukavu, la délégation a... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale. Spéciale Calais et mesdames et messieurs, nous recevons Espoir Muinuka, militant de la lucha, activiste des droits humains, un Congolais, un fils du Nord Kivu. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs et pole encore à nos compatriotes de Calais, pole à tous ceux-là qui ont perdu les leurs. C'est la RDC qui est endeuillée, ce n'est pas vos familles celles, c'est nous tous qui sommes endeuillés. Une émission spéciale sur Calais, mesdames et messieurs, vous savez, c'est Calais à Koni, c'est tout le Congo, c'est toute la République démocratique du Congo qui a été touchée. Il faut rappeler qu'il y a eu une catastrophe naturelle qui a touché cette partie du pays. Le président Tshisekedi, en tant que garant de la nation, avec son gouvernement, ont décidé en tout cas de décréter un deuil national et de dire on a vu que tous les Congolais ont respecté, ont vraiment compati avec tous les amis, les compatriotes de Calais. Mais il faut préciser en tout cas que les conditions dans lesquelles nos frères de Calais vivent sont extrêmement difficiles, précaires. Vous savez qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, jusque-là il y a des disparus. Les sinistrés aujourd'hui traversent un épisode noir. En dépit des efforts déployés par le gouvernement congolais, il faut le dire, il faut saluer également que le président Tshisekedi, en tant que père, garant de la nation, a déployé vite, en tout cas, lorsqu'on a appris de ce drame, il a déployé vite une délégation composée de 3 ministres, des députés provinciaux et nationaux, ainsi que les gouverneurs du Nord Kivu, se sont rendus dans les Calais. Ils ont visité le village de Nyamukubi ainsi que Bouchouchou. Ils ont remis des vivres et non-vivres aux sinistrés, aux familles en tout cas, qui sont restées. Il faut également préciser qu'en tout cas, les conditions ne sont pas vraiment bonnes. Voilà pourquoi on est là. On se bat au-delà des autorités. Nous aussi, en tant que Congolais, en tant qu'humains, on s'est dit quoi? Lancer
un appel à tous ces Congolais qui sont au pays et qui sont à l'extérieur, là je parle de la diaspora, pour voir combien nous devons ou alors venir également en aide à nos frères des Ekalehe. Il faut également dire en tout cas que le bilan s'est alourdi et passe à 338 morts. Le bilan du drame qui a frappé le territoire de Calais, situé dans la province de Sud-Kivu, s'est alourdi. Il est passé de 401 à 438. C'est le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, qui a livré cette information au cours du briefing presse hier mercredi soir. Il a dit, je cite, « Le bilan a été malheureusement revu à la hausse hier. Nous étions à 412. Aujourd'hui, il y a 26 nouveaux corps qui ont été récupérés pour atteindre 438. Par contre, il n'y a pas encore de chiffres officiels de personnes disparues, contrairement à ce qui est à ce qui s'est répandu, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Quant aux populations riveraines qui sont touchées par ce drame, il a relevé les mesures prises par le gouvernement, notamment parmi les mesures urgentes qui ont été prises, c'est la relocalisation des populations riveraines qui vivent aux côtés des rivières qui ont connu des coups, a souligné le ministre Mouyaya. Il y a un peu plus d'une semaine, le territoire de Kalehe, dans le site Kivu, a été en tout cas touché par des inondations suite à la montée des eaux des rivières causées par des pluies torrentielles. Le gouvernement congolais a dépêché une délégation, je suis revenu sur ça, sur place pour s'enquérir de la situation et apporter de l'aide humanitaire aux sinistrés. Avec nous, avec Mouinouka, on est là pour mobiliser les Congolais. Je sais que les Congolais ont cet esprit-là de compassion. Alors, espoir Mouinouka, je suis revenu presque sur la situation. Oui. On est là, parlez-nous pourquoi on est là. C'est une émission spéciale. En fait, vous venez de faire le tour de tout ce qui s'est passé à Kalehe. À Calais, pour revenir un peu, chers téléspectateurs, chers compatriotes, Calais, c'est une partie de la province du Sud Kivu, mais c'est une partie qui est non loin du Nord Kivu, puisque nous consommons même dans cette ville certains produits vivriels qui quittent Calais jusqu'ici au Nord Kivu, comme certains fruits, notamment avocats, oranges, citrons, même les fraisins. Oui. Voilà. Et quelquefois même la braise qui quitte au Nord Kivu, au Sud Kivu, les makala, quelquefois même les bananes qui quittent Kalehe, et même les tomates aussi que nous consommons dans la ville. C'est tout cas nous sommes opposés aux produits rwandais. Ce sont nos compatriotes de Kalehe qui avaient pris relève en production de certains produits, en production de certains vivres, d'une manière générale. Alors, malheureusement, Calais, suite à une pluie torrentielle qui s'est battue sur Calais, il y a eu catastrophe naturelle dont toute une colline, toute une partie s'est écroulée dans le lac, puisque c'est proche du lac. Et du coup, on a enregistré un bilan très lourd. On a perdu, selon le bilan qu'a donné encore hier le gouvernement, 438 compatriotes qui ont disparu, moins les biens, puisqu'il y a cela, il y a cette... On parle de 438 qui sont morts, des corps déjà repêchés. Mais les disparus, selon la société civile, il y a plus de 5 000 personnes, voyez-vous. Et il y a même cela qui, dans la famille, soit ils étaient à 4 personnes, 3 sont partis, 2 sont partis, y compris même les maisons. C'est que nous sommes ici, chers compatriotes, pour demander votre appui. Tous ceux-là qui nous ont toujours appuyés dans telle ou telle autre activité, nous vous demandons encore une fois de nous appuyer pour que nous puissions quand même subvenir en aide à nos, télé, à nos compatriotes de Calais, aux sinistrés, aux rescapés de ces catastrophes. Il y a les enfants qui passent la nuit à la Belle Étoile, il y a des mamans, même des femmes enceintes, il y a des enfants qui ont perdu leur père. Et d'ailleurs aussi, nous demandons à nos compatriotes, ceux-là qui sont à mesure de prendre même en charge un enfant,
vraiment, nous sommes là, nous allons vous orienter vers cet enfant, assister-les, essayer de les scolariser d'une manière officielle, tout en respectant les procédures légales pour prendre un enfant. Il faut rappeler qu'il y a eu même des nourrissons hier qui ont été effectivement, retrouvés, après je crois 4-5 jours dans des combes. Ils sont encore en vie. Et nous demandons aux femmes de bonne foi, aux mamans de bonne volonté, d'assister ces enfants. Avec tout ce que vous avez comme moyen, même ceux-là qui ont une chemise, même ceux-là qui ont un pantalon, un soulier, envoyez-nous ça, nous allons amener à nos compatriotes de Calais. Et aussi, il y a urgence que nous ayons des bâches pour ceux-là qui ils ont fabriqué quand même des abris, mais ils n'ont pas quoi à mettre. Ils ont mis des pailles, bon, ça ne tient pas, puisque vous savez, nous sommes dans la période pluvieuse, donc il y a pluie du jour au jour. Vraiment, avec votre bonne volonté, nous avons besoin que vous puissiez nous appuyer pour que nous puissions atteindre. C'est que ceux-là qui sont au pays, ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, ceux-là qui sont partout ailleurs, il y a les moyens que vous pouvez quand même nous appuyer. Si ce sont des habits, il y a des sociétés qui assurent le transport, la logistique, qui peuvent... C'est que partout ailleurs, aujourd'hui, le monde est devenu petit. En fait, assister, c'est aussi faire quelque chose de bien. C'est non seulement pour vous, mais aussi pour... Oui, on connaît ces Congolais avec les... Ils ont des cœurs, s'il faut dire. Donc, ce sont des gens qui ont un sens de magnanimité, ça, il faut le dire. Il faut également préciser, et il faut nous préciser, voilà, M. Mouinouka, comment ça va se passer concrètement. Vous avez besoin de quoi concrètement? On sait que les besoins sont énormes. Effectivement. Ça, il faut l'avouer. Sans oublier qu'il y a également des actions qui sont en train d'être faites par le gouvernement congolais, il faut les saluer. Mais vous connaissez également nos autorités, les gouvernements aussi, quelquefois, peut-être, ils peuvent être limités. Mais au-delà de cette assistance ou bien de cette intervention de Kinshasa, on a besoin, les Congolais aussi ont besoin, les Congolais de Calais ont besoin aussi de sentir qu'au-delà de la politique, il y a ces Congolais-là aussi de l'Est, il y a les Congolais-là de l'Ouest, il y a les Congolais du Katanga, du Kasaï, de Kinshasa, les Congolais de l'Afrique du Sud, les Congolais qui vivent, je ne sais pas, à Paris, à Londres, qu'ils se sentent être les mêmes. Maintenant, dites-nous, il faut quoi concrètement, Mouinouka? En fait, comme vous êtes revenu là-haut, il y a une communauté de nos compatriotes congolais qui vivent en Australie, il y a ceux-là qui vivent au Canada, qui vivent en France. Ils sont partout. C'est que notre diaspora congolaise, comme on avait fait la fois dernière pour Uvira, nous voulons quand même, et aussi la fois dernière pour ici, les sinistrés ici à Nyiragongo, comme nous l'avions fait encore pour les sinistrés du volcan, comme nous avions encore la fois dernière lancé à notre demande, pourquoi qu'on n'avait pas atteint ce qu'on voulait, mais quand même, c'est là qui nous avons appuyé, ça nous a appuyé, et quand même on a fait quelque chose. Parce que c'était une opération et ça nous a aidé. Alors, nous revenons, cette fois-ci, ça n'a rien à faire avec la politique, comme vous l'avez dit. C'est l'assistance humanitaire, assister nos compatriotes. Alors, si on avait les moyens, normalement, on pouvait catégoriser les besoins. Mais comme aujourd'hui, les besoins sont énormes et qu'aucun moyen n'est disponible pour faire ça et ça et ça, nous sommes en train de récolter tout ce qu'on peut nous donner. Puisque quand on arrive sur le terrain, il y a ceux-là qui ont besoin soit d'une bâche pour se construire même une petite maisonnette pour vivre en attendant que le gouvernement puisse réaliser la promesse qu'ils ont dit, relocaliser, maison relocalisée où dont les sites ne sont pas même encore connus. Il y a ceux-là qui sont là, ils ont perdu, ils n'ont plus même à porter, voyez-vous. C'est qu'il y a ceux-là qui ont besoin des habits et il y a ceux-là qui ont besoin de quoi mettre sous la dent, voyez-vous. C'est que l'urgence, premièrement, c'est que nous avons aujourd'hui comme urgence, c'est premièrement que nous ayons quelques habits pour nos frères, que nous ayons aussi l'assistance alimentaire, c'est qu'avoir quoi manger, mais même si on ne peut pas donner quoi manger. Mais si Mouinouka, permettez que je revienne sur ça. Moi, personnellement, je me suis rendu dans les Caléens parce que la catastrophe s'est produite dans la nuit du jeudi à vendredi. Ouais. Moi, je me suis rendu là les samedis. Je sais, les gens qui ont suivi, peut-être les premières images qui ont été diffusé à l'international, nous étions parmi les journalistes qui ont tourné ces images.
pour dire qu'on a vécu, on a vu la misère jusqu'à présent, la souffrance de ces gens-là. Nous sommes retournés sur Goma le dimanche, nous sommes repartis là-bas le lundi, nous avons passé nuit là-bas, nous avons couvert l'arrivée de l'assistance, la première réponse donc du gouvernement central, on a vu les ministres des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, on a vu madame la ministre en charge d'emploi et travail, prévention sociale, une dame aussi de cette tribu, on a vu la ministre, disons les ministres d'État Rubota qui était là également, les deuxièmes vice-présidents de l'Assemblée nationale et une délégation également de députés. Au-delà de ça, il faut vraiment raconter qu'il y a une misère qui se vit aujourd'hui dans les Calais. Ouais. C'est vraiment terrible. Et il faut également dire, au-delà parce qu'il y a des maisons qui sont parties, emportées, il y a également des écoles. Vous savez que c'est une catastrophe qui est venue au moment où, le lundi d'ailleurs, c'était prévu que les élèves de l'école secondaire passent leurs examens. D'État, etc. Ouais. Je ne sais pas, obsession, tout ça. Ouais. Alors, donc, du coup, ces enfants-là n'ont pas passé. Il y a également ceux qui sont morts. Exactement. Il faut préciser, il y a également un journaliste qui est mort avec ses quatre enfants et sa femme. Ça, on a appris sur place. Ouais. Donc, il y a des églises touchées, des hôpitaux. Vraiment, les gens doivent comprendre que c'est vraiment une catastrophe qui est en deuil et qui continue à en deuil aujourd'hui les peuples congolais et qui demande une union et un soutien d'effectif total. Mouinouka, vraiment, il faut mobiliser dans ce sens-là, que les Congolais se mobilisent. Et les gens doivent comprendre, vous êtes revenus sur ça, c'est pas la politique, on ne fait pas la campagne. Et nous, d'ailleurs, on est journalistes, vous humanitaires, disons, vous activistes, on veut montrer aux Congolais qu'il y a un danger, on doit intervenir. En fait, nous sommes apolitiques, ça n'a rien à faire avec la politique. Nous ne serons jamais candidats, puisque certaines personnes peuvent dire non, c'est pour les faits politiques, non. C'est dans le sens quand même d'humanisme, montrer aussi au monde que nous sommes toujours solidaires. Nous devons quand même nous soutenir mutuellement en cas de telle ou telle autre situation, voyez-vous. Cette situation est venue car nous sommes toujours sous tension de guerre, voyez-vous. C'est qu'aujourd'hui, nous cherchons quand même à redonner encore sourire à ces compatriotes là qui ont déjà perdu tout ce qu'ils avaient combien. En fait, aussi, il faut, comme vous venez d'y revenir, monsieur Justin, surtout quant à la question liée aux besoins, c'est que c'est difficile aujourd'hui puisque les besoins sont énormes. C'est pourquoi nous demandons tout celui qui est à mesure d'assister dans telle ou telle autre situation ou bien dans telle ou telle autre mesure, son assistance vraiment soit le bienvenu. Puisque tout ce que vous allez nous donner, c'est ce que nous allons leur amener. Et d'ailleurs, moi, je pensais, oui, mais il y a aussi des bienfaiteurs anonymes qui ne veulent pas que leur nom soit connu. Mais nous reviendrons ici du jour au jour pour mettre un jour et informer les gens. Nous avions déjà reçu tel bien, nous avions déjà reçu tel moyen en provenance de tel, s'ils veulent bien que nous puissions dire ce que... Il faut dire qu'à la fin de cette émission, on va vous donner les numéros qu'on va contacter. Voilà, on va donner les numéros que vous pouvez contacter. Que vous allez citer, en fait. Effectivement. Mm-hmm. Et c'est à travers ces numéros, vous pouvez nous appeler pour nous dire, moi je vais assister, ou bien mon assistance va arriver dans tel cas. On va vous orienter, c'est dans tel canal, vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on va procéder. Et nous reviendrons ici du jour au jour pour vous dire, on a déjà mobilisé autant, on a déjà mobilisé tel long de ça et ça et ça, mais nous voulons partir à Calais d'ici dans une semaine, voyez-vous. C'est qu'aujourd'hui, j'ai dit, nous voudrions partir le vendredi à Calais. Parce qu'il faut, c'est vrai, c'est mieux peut-être dans une ou deux semaines, parce que c'est vrai, comme il y a les besoins sont énormes, mais il faut préciser également aux gens qui nous suivent que de Goma à Calais, c'est pas donc partir dans un clé d'œil comme ça, il faut qu'il y ait moyen de déplacement. Aujourd'hui, la grande difficulté est que la route qui est, je crois que c'est la RND, la route nationale numéro 2, est coupée déjà. Donc, difficile aujourd'hui de quitter Goma et atteindre les liens du drame.
Tu vois, et du coup, on est obligé de passer à travers les lacs. À travers les lacs Kivu. Et qui n'est pas aussi moindre. Et qui n'est pas aussi moindre. Ouais. Donc, il faut prendre soit un bateau. Ouais. Et il n'y a pas un bateau commercial ou régulier. Il faut, donc, il n'y a pas une occasion qui est régulière. Donc, il faut au moins soit. Par location, par exemple. Par location. Ouais. Et là, c'est extrêmement cher, ça, il faut l'avouer. Ouais. Mais on peut s'organiser et préparer, savoir quel jour qu'il y a une occasion, parce qu'il y a deux occasions par jour pour se rendre dans les cas. Donc, par jours, semaine. Deux jours, voilà, par semaine. Par semaine, Goma, ouais. Goma-Calais, ouais. Donc, tout sera en train d'étudier, mais grâce à vous, je sais que les Congolais. Alors, il faut aussi préciser. On peut aussi faire même notre demande pour ceux-là qui veulent assister nos compatriotes. Oui. Ceux-là qui sont aussi à mesure, peuvent se joindre à nous pour que nous puissions partir tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi une bonne chose qu'on vous précise. Tous ceux-là qui sont prêts de venir avec nous à Calais pour redonner sourire à nos compatriotes de Calais, vraiment, vous êtes les bienvenus. Nous allons vous donner nos coordonnées. Et c'est aussi dans le cadre de la transparence pour rassurer nos compatriotes. De deux, il y a aussi ceux-là aussi qui peuvent nous faciliter pour les transports d'aller à Calais. C'est aussi une demande que nous vous faisons. Ça va faire partie aussi de l'assistance, puisque quand vous nous facilitez la tâche d'y arriver, nous serons toujours très reconnaissants. Ce n'est pas nous qui serons très reconnaissants, mais c'est la République qui sera très reconnaissante et la population que vous venez de faciliter. C'est que nous ne sommes que les personnes qui lancent cette alerte, bien l'appel à l'assistance, puisque ce qui arrive à nos compatriotes à Calais, ce qui leur est arrivé hier, ça peut m'arriver aujourd'hui, c'est aussi une autre personne qui va faire ça pour moi. De même que vous, ça peut arriver, c'est aussi une autre personne qui va faire ça pour vous, voyez-vous. C'est un peu ça, c'est que nous avons besoin de votre appui, vraiment de telle ou de telle autre manière, que votre appui soit le bienvenu. Merci mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct et en exclusivité sur Congo Live. Merci également à Congo Live qui nous accorde cet espace pour informer les Congolais, pour exprimer et faire cette mobilisation. C'est un appel en tout cas à la mobilisation à tous les Congolais qui sont partout dans le monde. Et même d'autres personnes de bonne foi, il peut y avoir que vous avez un ami qui n'est pas congolais, par exemple, mais vous pouvez aussi l'initier. Peu importe la nationalité. Peu importe la nationalité, puisque si... Si c'est lui qui s'est trouvé à Calais, par exemple, qu'est-ce qui pouvait arriver? Mais premièrement, nous misons d'abord à nos Congolais, les compatriotes, ceux-là qui savent quand même que nous sommes les mêmes. Même si vous avez un ami qui n'est pas congolais, vous pouvez aussi l'initier. S'il peut aussi faire quelque chose, on peut l'avoir à travers vous. Cher ami, c'est dans l'unité. Et ceux-là qui prient aussi, doivent prier aussi pour ses enfants, que ces nourrissons puissent survivre. Mais la prière a toujours été accompagnée. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Espoir, ça va se passer comment? Comment on va vous contacter? Parce que... il faut être en contact manière régulière avec vous. En fait, il y a un numéro qui est mon numéro officiel, ouais. Le +243 9 90 66 42 08. Alors, c'est combien? +243 9 90 66 42 08. Et le numéro RT, pour ceux qui peuvent faire soit un transfert. Alors pour préciser, il y a ce numéro et sur Airtel Money, voyez-vous. Et vous pouvez soit envoyer sur ce numéro ou bien s'il y a d'autres canaux d'envoyer, c'est bon de nous appeler ou bien nous faire un message. C'est le numéro WhatsApp. Effectivement, ce numéro se trouve sur WhatsApp. Voilà. Oui. Ce numéro se trouve sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler soit sur ce numéro ou bien me faire un message sur ce numéro. Pour des orientations. Pour des orientations. Je vais vous dire si vous allez envoyer sur tel canal, je vais vous donner l'identité sur laquelle vous pouvez envoyer. Merci. Il faut rappeler que ça, c'est le premier numéro, une première mobilisation spéciale calaisienne. En tout cas, les Congolais, tels que vous aimez, si vous aviez toujours aimé les interventions chez nous des messieurs Mouinouka, vous qui ne cessez de le soutenir, vous qui ne cessez en tout cas de l'accompagner, de l'encourager, tout ce qu'il donne comme analyse, tout ce qu'il fait comme analyse,
Vous l'aviez suivi depuis le début de cette guerre imposée par les voisins, c'est le Kinshasa, bien sûr. Non, ce n'est pas c'est le Kinshasa, c'est le que nous moi, vivons. Je parle en tant que journaliste. Et selon les preuves, moi je ne suis pas journaliste, là, selon les preuves, exactement, mais selon les preuves que nous avons. D'accord, là je disais que vous aviez toujours suivi les interventions de Moïnou Kachenou sur Congo Live. Depuis la résurgence du M23 soutenue par les Rwandais, c'est le Kinshasa et c'est le plusieurs experts des Nations Unies, bien que le Kigali a toujours démenti cela. Mais vous suivez toujours, nous lisons souvent vos commentaires, il y a ceux qui les soutiennent, il y a ceux qui contestent, il y a ceux qui les traitent de tous les mots et ceux qui l'encouragent. Ça, on comprend, c'est la liberté partout. Et surtout chez nous au Congo, on le sait, c'est les réseaux sociaux, c'est la démocratie. Donc, vous soutenez, vous aimez tout ce qu'il donne comme intervention, action qu'il pose. N'hésitez pas, venez soutenir aussi ces enfants qui ont perdu leurs parents. Venez soutenir ces femmes-là qui ont perdu leur mari, ces papas-là qui ont perdu leur femme. On est là et c'est ça, et ça se passe comme ça. Il faut en tout cas, nous... Nous avons interrogé ces gens-là, ces sinistrés. Il y a ceux qui vous disent, par exemple, il y a une famille, par exemple, qui a disparu. Ouais. Il y a soit vous arrivez dans une autre famille et vous vous rendez compte que soit dans cette famille, il y a eu, par exemple, 5 disparus. Soit c'est le père seulement qui reste, soit c'est la maman seule qui reste. Soit c'est un enfant. Soit c'est un seul enfant et qui a perdu tous ses proches. Donc, vous comprenez que c'est... C'est vraiment terrible. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. On revient sur les numéros encore. Nous sommes sur le plus 243 9 92 66 42 08. Nous sommes le jeudi 11 mai 2023. Mesdames et messieurs, je vous fixe rendez-vous chaque jour pendant une semaine. On réalisera une émission pour Kalehe, une émission spéciale parler et faire un appel patriotique. Une mobilisation, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, si vous avez d'autres orientations, les numéros sont là. Merci, je vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Passez un excellent jour, une bonne journée, voilà, mesdames et messieurs. Mouinouka, bye bye. On se retrouve demain vendredi. Hein. Voilà, merci et nous attendons beaucoup sur nos compatriotes. Nous comptons sur vous aussi. Appuyer nos compatriotes, c'est aussi nous soutenir puisque nous ne serons pas contents quand nous serons sur les médias du jour au jour et qu'il y a nos compatriotes qui ont besoin que nous puissions faire parvenir quand même leurs larmes à travers ces médias et que vous puissiez quand même atteindre leurs larmes. Et si vous ne les assistez pas, ils ne seront pas aussi contents merci quand beaucoup. Même. Merci, bye bye, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye.